Salut à tous, c'est Manson Magic Arena FR. Comment ça va Ça fou? va très bien, toi Ça va très très bien. On se retrouve pour un magnifique deck aujourd'hui. Ouais, franchement très très bien. De l'Explorer, enfin un deck de pionnier adapté en Explorer qui marche quand même très très bien en pionnier. Fire, énigmatique. Ouais. Pourquoi énigmatique Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la decklist Déjà, la decklist est énigmatique et c'est surtout parce que ça tourne autour de la carte incarnation énigmatique. On va vous présenter la decklist juste avant. Je vous fais un petit rappel. On en a parlé dans la vidéo de mercredi, mais on sera au Relic Fest oui. Toulouse. Oui le 5 et 6 novembre. Euh, le lien pour l'inscription, les préinscriptions, et c'est important de se préinscrire parce qu'il n'y aura peut-être plus de place, c'est directement dans la description. Euh, on ne sait pas combien de places il reste à l'heure où on vous parle, mais il y avait déjà la moitié euh, des gens qui étaient inscrits et de la capacité de la salle qui était pleine euh, euh, au moment où on a tourné la vidéo mercredi dernier. Donc voilà, n'hésitez pas à vous préinscrire si jamais vous voulez faire le main event en moderne ou le main event en duel commander. Par contre, pour ceux qui veulent venir juste visiter, voir les altérateurs, acheter des cartes en boutique, rencontrer la communauté, c'est gratuit. Donc voilà, si vous êtes près de Toulouse ou alors que vous voulez vous déplacer, eh bien, euh, tout le, toutes les infos sont dans la description, n'hésitez pas. Voilà, exactement. Moi, tu as tout dit, Val. Également, merci aux sponsors Plane My Magic Bazaar, Colvin et Apple 2022 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Donc, merci à tous. Et merci également à vous. Voilà. Merci juste à vous d'être là, tout. de vous abonner, de mettre des pouces bleus, de regarder nos vidéos, de nous suivre après toutes ces années. Ça fait plaisir. Ah, Au vous n'y attendez pas à celle-là Road to 30k, let's gong. Ce deck. L'incarnation qu énigmatique. On va lire ce que ça fait. Au début de votre étape de fin, si vous pouvez sacrifier un autre enchantement, si vous le faites. Ah pardon, j'ai mal, mal lu. Si vous faites ainsi, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana égale à 1, plus la valeur de mana de l'enchantement sacrifié, et vous mettez cette carte sur le champ de bataille, puis vous mélangez. Petit exemple, si à la fin du tour vous avez une utopie urbaine, vous pouvez la sacrifier, et vous pouvez aller chercher une créature qui coûte 3 dans votre deck. Donc typiquement un zur intrigant éternel. Si vous sacrifiez une fable du brise-miroir, une fois qu'elle aura fait ses effets par exemple, vous pouvez aller chercher par exemple un archonte ou un rhino de siège. Si vous sacrifiez un feu de l'invention, vous pouvez trouver un kerouga. Et si vous sacrifiez une lignée, un emprisonnement par les linlés, vous pouvez trouver un coma ou euh, notre ami le titan de l'industrie. C'est tout le but du paquet. C'est-à-dire d'avoir l'interaction en, en early game, de trouver rapidement l'incarnation énigmatique et d'avoir une toolbox qui peut pallier à toutes les situations. Euh, le deck est très puissant parce qu'il joue fait de l'invention qui permet de tricher un peu sur le mana. Et en plus, on a plein d'effets blink intéressants euh, dont on va pouvoir profiter avec notre ami Orion. Voilà, c'est le but du deck. Exact, et on peut faire tour 4, fire, incarnation, on fire, on va chercher tout de suite un drop 5. Et c'est bien, et on est content qu'on fasse ça. c'est super fort. Ça vous permet Fire de pouvoir prendre Yorion, votre compagnon en main. Je ne sais pas parler là scène. Vous le prenez en main et ça vous permet de le jouer directement, sans payer son coup de mana si vous avez 5 terrains. Donc vraiment, ça permet de faire des plays très puissants. Et comme l'incarnation énigmatique peut vous chercher une créature tous les tours, vous avez l'impression du coup de jouer beaucoup de cartes sans dépenser de mana. Et ça, c'est assez satisfaisant. C'est un deck qui se positionne dans le format d'une manière assez... Assez intéressante, c'est assez faible contre les jeux combo ou les jeux très contrôle. Par contre, ça va être très puissant contre Ragdos et tous les jeux fer et midrange du format. Donc, c'est vraiment le prédateur principal de Ragdos. Si vous rencontrez que des Ragdos sur le ladder, ce deck-là est fait pour vous. Oui, oui, oui. En tour 2, on a plein d'enchantements du coup. Enfin, on queue que des enchantements. Fin des concertantes, Augure de la mer, épreuve d'ambition, Utopie Urbaine. Ça euh, cantrip et ça nous fixe. Euh, ça euh, gère une créature en dans sacrifier. Ça fait piocher. Ça, genre une créature tout court et ça rend une 3-3 et non pas la créature. En tour 3, on a euh, bah, du coup les fers du brise miroir et plein de bonnes créatures à aller chercher qui font des, autres, des, des effets d'arrivée de, en jeu. Claire béni par la lune qui, euh, d'ailleurs, ça m'étonne d'en avoir qu'une seule parce que ça va chercher potentiellement euh, feu et incarnation. Canaliseur terres, Mimique de Mirlac Ça, ça les met au-dessus de ton pack. Euh... C'est pas non plus euh, ouais, mais genre, exceptionnel. Quand, quand t'as synergie c'est autour de ces cartes-là. C'est ouais, quand même pas mal de faire tour 3 dedans. Ton, ton deck ça, fonctionne ça. sans. Hein. L'avantage, c'est que toutes tes cartes oui. sont individuellement intéressantes et Oui, puissantes. tu peux juste les caster. Ouais. Voilà. Kainizer qui peut booncer, piocher, faire du board, copier n'importe quoi. J'adore cette carte et c'est exactement là où on a envie de la voir. Moi, j'adorais la mais carte clairement. au moment du reveal. Et elle s'intègre parfaitement dans ses stratégies toolbox. Donc, très content pour mmh. elle. Ah bah, les, les cartes modales, ouais, dans les stratégies toolbox, ça marche très bien. Mais elle, elle est très modale. Comme le sangramage hein, qui fait une bête ou piocher ou exiler un cimetière. Femme, enfin, on connaît. Gestion. Euh, gestion d'artefacts d'enchantement, gagner des points de vie ou body, ça réanime un drop 2, oh bah tiens, on a des super drop 2 euh, potentiellement à réanimer avec le Warrior Renega. Ezure, ça marche bien avec les emprisonnements ou tous les enchantements du deck, mais surtout les emprisonnements. Ça. Ensuite, tout le reste on l'a déjà présenté, Bon on a du scarabethol Voilà, vous connaissez, c'est des grosses bêtes, si vous ne connaissez pas, c'est des grosses bêtes, ça fait plein de trucs cool. Une mana base aux petits oignons, 15 cartes de side exceptionnelles, bon, le Yorion forcément. De repos en paix pour ne pas se faire euh, counter par les stratégies cimetières. Et en plus, ah bien, ce sont des enchantements. Donc ouais. si on pioche des multiples, on les sacrifie avec incarnation pour aller chercher le drop 3. Fils de destinée qui rend nos enchantements et nos créatures incontrables. Un petit agent de traîtrise, le troisième drop 7, du coup, qu'on peut aller chercher en sacrifiant l'inlay. Ou qu'on peut caster la main, euh, si, ouais. si jamais. Euh, une troisième fille. Philo... Oups, là. Je me permettre de faire ça, c'est plus propre. Confinement temporaire, ça gère bien euh, les decks, euh, le ressource si le sacrifice Envie, vient Alors ça. les decks humains qui vont avoir une curve très basse. Ouais. Des disputes mystiques, deux Tamio, une massacreuse. Okay, Tamio, c'est important de l'avoir contre les jeux euh, ragdos qui vont rentrer beaucoup de défauts, et notamment des Liliana pour vous battre. Mm. Tamio, ça empêche ce plan de jeu-là, ça disrupte naturellement Liliana. C'est la solution qui a été trouvée parce que la plupart des gens avaient une solution un peu médi médiocre qui s'appelle Ferox. Euh... Le nulide. Franchement, Ferox, c'est non quoi. Mm. Donc du coup, euh, Tamio, je préfère. Plus sympa. Mieux. Et Massacre, ça fait plaisir d'avoir. Je trouve ouais, que tu vas bien la tuto. C'est une super carte de, de Toolbox, évidemment. Et feu, ah. Incarnation, Sacrifice Feu, Massacre. A noter que Zure a un petit upgrade c'est qu'au lieu de seulement animer vos enchantements pour aller bourrer votre adversaire, en fait, il les protège. Parce qu'en réponse à un casse enchant, tu peux animer ton enchantement. Il devient du coup une créature et il a mmh. la défense talismanique. Et c'est fort. Typiquement ça. Euh, Zür, euh, Vous n'avez pas envie nécessairement d'animer votre euh, incarnation, mais plutôt de la protéger en réponse à une interaction. Et ça, c'est vraiment fort comme euh, situation. Stylé eh ben c'est parti, écoute, on, on va aller tester ce deck en ladder. Franchement, ouais, on moi je l'ai va, affronté avec Ragnos, c'est euh, très très dur à battre. On y va de suite, c'est du classé, c'est de gagnante, c'est de l'explorateur, c'est du fire. C'est parti, un, un plaisir fou à jouer ce deck là. C'est un ce genre de deck qui me, qui me parle moi. Ouais, bah en fait, je trouve Ces que clôtures, tout le box là, c'est... Tu dois euh, pas mal réfléchir à ce que tu fais, euh, assembler, jouer dans le bon ordre. Euh, mais ensuite, la puissance des cartes fait que ouais. le reste de la partie peut se dérouler un peu C'est pas si seul, dur de quoi. grind, parce que je pense qu'en termes de late game, t'as un peu l'inévitabilité, c'est-à-dire que tu vas pas jouer des parties très longues, à partir du moment où ta boucle elle est mise en place, mmh. tu vas assez facilement gagner la partie. C'est mmh. une main que je garde, hein, assez aisément. On a que deux landes donc il faut piocher un land, mais on en a beaucoup, je crois. Ouais, t'as plusieurs draws, et, euh, et le fait que t'es fab dans l'incarnation, ça te donne quand même beaucoup de choses intéressantes. Et euh... et donc du coup, voilà, comment late game, en fait... Globalement, t'es le seul deck qui va te battre aussi, long, aussi loin dans le late game. C'est pas difficile de naviguer, de gagner les parties que tu dois gagner. Euh, par contre, c'est important de bien connaître son deck. Quoi. Nice. Petite plaine qui est pioché. C'est ouais. important de bien connaître son deck pour connaître un petit peu ce que tu peux aller chercher dans ta toolbox. Là, globalement, moi, j'ai bien les, bien les cibles en tête, donc ça devrait aller. Il n'y a pas tant de cartes à connaître. Ouais. On joue contre. Oui, c'est vrai qu'il y a assez peu de cartes en fait. Ouais, contre Gulls mm -hmm. c'est pas facile, surtout en game 1, euh, du fait qu'on n'ait pas euh, d'interaction avec le cimetière euh, dès le début. Là, t'as un 100 grammage, par contre, qui va. Putain, t'as un... un talent. Je suis très bon. Pour avoir ce 100 grammage euh, casse avec cette reliquaire implique que tu n'avais pas au préalable, c'est assez fou. Je le fais, j'existe son cimetière direct. Bah ouais. Parce que et... j'allais dire, à part ce 100 grammage, Mendek t'as pas de disruption de cimetière et ça mm. peut être très difficile contre Gulls Ouais, et nos gestions sont plutôt en rituel, donc, euh... donc chaud. Ça allait plus éduque pas de mentir. Vas-y, Joulot, ton gris fang. Ça prendra à pas nous enlever ça. Tchè. C'est vrai, cher. Hein Après, en vrai, je le comprends, t'avais pas de mana noir, Pas déconner non plus. Ouf. J'avais que de mana, donc pas de col caster lui non plus. Ouf. Bonsoir. Bon, alors, ça, je m'en fous un peu. C'est très long-termiste et je, je peux t'assurer que de manière long-termiste, c'est ton deck qui va gagner d'assez loin. Ouais, mais je m'attendais à ce qu'il drop-discard, du coup, ça m'a donné ouais, euh, ouais. le drop-set. Écoute, je te propose une fable. On va pas s'emmerder ici. On va pas se faire hein. jouer star, comme on dit. Tu peux garder ton sang-grammage parce que t'as Glass Pool Mimic, alors que là, il va juste le trade et t'auras rien fait. C'est vrai qu'il y a Glasspool Pool Mimic, exact. Il y a un petit glace foule mümique qui mange pas de pain. Je suis euh... En train de me dire est-ce que je peux pas reprendre du cimetière Non, mais je peux le copier. Non, ça fait le, le 34 e land, Ça permet de copier n'importe quelle carte de tattoo box. C'est super bien, un petit glace foule Tattoo box. Ok, je suis de 2 Où j'ai besoin de... du mana oh. Ah oh. Ah. Si je oh. Sacrifié, euh, plutôt le sang grammage quand même, Soleil, euh, là, à ce stade. Ouais. Ah. Bah pas mal j'ai mis une pause et il m'a dit baléque oui. Ouais il t'a dit balek. Bon bah écoute. Pff, je sais pas. Est-ce que je veux une deuxième Oui en vrai. Euh, ah, ça va quand même un peu plus loin au de la mer et tu veux un aller peu, plus loin, mais... moi je garderai une augure quand même. Je dis qu'un. On peut tuer ça. Ouais, c'est assez important, je pense. Est-ce que je vais chercher un land ou pas Non, c'est chaud. Ah, si je le ferai. Ah, après, tu peux trouver beaucoup de landes tapées. Ah, mais non, mais je vais pouvoir aller euh, avec le trésor me servir de ça. Donc ok, bon. ouais, c'est bon. Je voulais faire dans un meilleur ordre, mais. Non, non, ouais, non mais t'as raison, c'est pas grave. Ça. un peu plus safe. Là, on joue avec les cartes qu'on a pas. Si tu trouves que des landes tapées, on sera déçu. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bah, t'as euh, 9 euh, Trilandes qui arrivent tapées, malheureusement. Donc, plus que 7. Irrésistible, ok. Il peut pas prendre donc ça lui coûtait 5. Pour l'instant, on n'est pas sous la menace d'une un, réanimation. On a... ouais. Le fait qu'on ait joué sur 100 grammage, ça nous a vraiment euh, régalé. En fait, ouais, carrément, je, je pense qu'il a en main de Gris Fang. Ouais. toujours ils l'ont toujours. On peut acter qu'il l'a. Ouais. Ah ouais, je sais que les gens détestent ça de Gris mais euh, moi j'ai pas. Ah, même... Moi je déteste pas, hein. j'adore ce deck, mais toi tu n'es pas tous les gens. Jeu de ou pas Mais je, je suis pas sûr que les gens le détestent. Hein. Pourquoi le détesterait-il bon, un... C'est ce qui revient un peu dans ça, les commentaires. Un... Ils en ont marre en fait. Ah, okay. Genre ils l'ont beaucoup bu. Parce ils ont Grisfang à toutes les sauces. Et en Mais fait, là ça y est, c'est la version définitive, ça va bien. Ça et attends, est-ce que je fais ça en réponse ou pas Je pense pas. En fait c'est ça et le côté euh... genre si jamais tu le counter, bah, le deck fait pas grand-chose. Genre tu exécutes son cimetière, tu tues son Grisfang, il fait rien. Par contre si tu le counter pas euh, il est très écrasant. Bah Exactement. C'est ce que j'allais te dire. Sur le côté double version, tranchant. Sur euh... la version c'est pas ça. C'est l'avantage de ce deck là. Euh, wow, ouais, on bah on s'en fout là, non Pourquoi là, ça, ça te permet de jouer ton Yorion et tout Ah ouais, je reprends les deux. Je fais Land Fire. Oh, je sais pas. Je me tâte. Parce que là, il faut prendre en main, Yorion, donc on peut pas le jouer. Non, je crois que j'aurais. Okay. Juste bottom ça, garder le nom. D'accord. Justement l'avantage d'Abdan Grisfang, c'est que c'est un plan combo, mais quand ton plan combo marche pas, t'as ton plan grindy, ton plan midrange qui fonctionne très bien en fait. Et c'est l'avantage d'Abdan Grisfang, c'est que c'est pas juste un deck combo qui fait tout ou rien. Et du coup, bah ou tu perds ou alors le deck en, en face ne fait rien, mm. et du coup il est super polarisé et les gens l'aiment pas. Abzan Grisfang c'est un deck qui gagne sans Grisfang. Et c'est ça qui est sympa. Et c'est pour ouais. ça d'ailleurs qu'il est haut dans, le, dans la tier list des, des decks quoi. Oh bah je peux faire sacrifier. Euh oui de toute façon il... il fera pas beaucoup mieux avec mmh. cette épreuve. Donc les gens aiment pas Grisfang mais justement ce deck Abzan il enlève le côté très polarisé du deck. Donc peut-être que ça peut le rendre un peu plus appréciable pour la communauté. Je lande, là, j'ai besoin de... de terrain et je vais peut-être sacrifier ça à kip Ou pas. Ouais sans grammage ça te fait piocher les cartes. Ça fait piocher les cartes, oui. Okay. J'avais ça pour gérer ou ça pour. Bah ouais ouais. Et eh ben écoute, on va rentrer Tamio parce qu'il nous fait discard et il repose en P, et puis ça ira, ça ira très bien comme ça. Ouais. Et j'enlève rien. De toute il façon, il 80-85, je change rien. Il va falloir. Qu'est-ce qui n'est pas très bon? Hmm. l'épreuve d'ambition, c'est vraiment pas très bon. Hein. Genre ça fait ouais, sacrifier. Ça, joue pas en flash. ça se joue pas en flash et. J'en laisserai quand même une vu que t'as rentré trois enchantements. Voilà, comme ça tu gardes tes 4 enchantements. Ouais. et euh, Après ce qu'on a rentré, c'est quoi du coup Attends, on a rentré 3 opposants P et quoi d'autre 3 euh, opposants P deux, et 2 tamio. tamio Ok, donc là c'est dans les drops 4, qu'est-ce qu'on pourrait enlever tu peux pas enlever de drop 4, plutôt dans les drop 3. Euh, Est-ce qu'il y a des cartes qui vont pas avoir d'impact Ça, je crois que c'est un peu trop lent avant oh, de s'en ouais. servir. Euh, ok, vas-y, tu peux enlever ça. La douane c'est okay. super important parce que ça enlève ouais. les tokens de Paris-Lyon. Chevalier, c'est super bien. Tout le reste est plutôt bien. Non, on peut aussi décider d'enlever genre euh, un Tolzimir ou un Keruga. Tolzimir, je crois que c'est un peu aux affronts ah, bah Alors, Tolzimir, Tolzimir. parti. C'est pas trop le plan de jeu. Keruga et. Ok, ouais, ça peut nous faire gagner que value ou une grosse bête, Metol Zimir. C'est ça. C'est 6 de body. Euh, et 3 pèves. Oh dommage. Euh, ouais. Pas de mana blanc. Ça va pas être possible. Avec un mana blanc là, euh, je peux la garder, je pense. Ah ouais bah elle est vachement bien avec un mana blanc. Interaction. Oh, c'est pas mal. Prends pas de discard. Mmh, On peut jouer ouais. emprisonnement assez vite. Bah tu prends Discard maintenant si t'enlèves euh, Incarnation. Oh, oui, putain oui. Euh, Garde, garde et, euh, Incarnation non plutôt. J'en garde deux Bah ça dépend en fait genre notre main est-ce qu'elle se détruit pas instantanément sur... Euh, bah en fait si j en garde deux des... il va enlever Fire et ça et du coup euh, Incarnation est pas bien du tout. Je pense ouais. regarder garder la meilleure main. Ok ok. Et on espère qu'il n'y a pas de Discard. Bah en vrai cette main elle est pas très bonne hein, malheureusement mais... En mulligan c'est ok. Bah t'as pas d'Early Game bah... quoi. Non j'en ai pas, c'est vrai. Pas de la game, euh, ton emprisonnement il coûte 3 mana, c'est chaud, mais bon on peut pas descendre à 5. Cette game là sur la draw, je vais pas te mentir, contre Grisfang on va pas la gagner. Bah ouais, il fait 10. Enfin on il fait 10 cartes tour 1. C'est chaud. Ah Ça rehausse un peu. Ok, mmh... vas-y, on tape. Ça change rien. Par rapport à quoi tu... Euh, par rapport à ce que je peux piocher. Ou ce que j'ai dans la main. Il y a du bleu là. donc. Euh, alors que le noir je m'en sers pas. Ok. Mais je crois pas que ça change grand-chose. Ouais. Ouais parce que là les tours de que tu peux piocher c'est des tours de blanc. Donc dans tous les cas l'un ou l'autre ça, ça mmh. fonctionnait. Ok on va voir si nous défaussons un pareil lion. Non, il est pioché cage, donc à mon avis il y a un pareil lion défaussé t'es obligé de piocher avec de Draphine. Ah oui non, c'est lui qui est un professeur symbiologie, qui est d'ailleurs très bizarre, les gens jouent pas ça habituellement. Bon. Bah vas-y, on tape... Pas capable de caster cette fable, ça c'est un peu dommage, que ça aurait pas mal amélioré notre main. Mais il a pas déposé... On va peut-être piocher l'Ande rouge maintenant. T'as déjà trouvé l'Ande noire au bon moment, tout à l'heure. Voilà, c'est saisie, on s'en fout un peu plus. Ouais, j'enlèverais Incarnation directement. Genre, on n'a pas le land rouge. Il sait qu'on est bon. Il le sait. Ouais, ouais. Bah, écoute, chevalier, hein. ouais. chevalier 4-3. Oui. Allez, c'est parti. Sur land rouge, on est pas mal. Sur land pas rouge, on est... Sur land rouge, on est très bien, parce que tu oui. fais euh, Fire, Incarnation, Into, euh, Drop 5. Ouais, mais on peut pas les prendre Tolzimir. Bon, Mais c'est pas grave, pas très grave. Alors il y a un Crow, je crois, ouais. ouais. Commandement. C'est de la merde. Enfin c'est de la merde, il réanime rien quoi. Par contre il peut faire saisie sur lui-même, Land saisie sur lui-même et... et... Il nous bat. Il joue oui. une... Alors moi j'ai je... joué à gris je connais les listes qui tournaient et tout, j'ai repris celle de, de JE. Il euh, n'y a pas Paï, il n'y a pas professeur de symbologie, donc je sais pas dans quoi il a goûté le mec. Normalement, il y a des Liliana, il y a des Charles d'Esika, il y a un plan de jeu un peu, un peu sympa quoi. Quoi que non. Jouer en rituel, hein, si jamais j'ai un Triland. Oh bah, parfait les deux là. Tu bon. veux prendre les deux, je pense. Euh, oui. Prenons d'abord trio Excellent. Excellent. Il bah, y a un moment, il va réussir à... Toujours pas... pas de Il n'en a que t Toujours pas. Okay. Est-ce qu'on joue contre le Cornerman qui joue Grisfang J'aime bien, parce que à chaque fois je le cimetière. Ou Voilà, il peut avoir le plan de défausser ses... Euh, T'as pas mal de stratégies à gris Grisfang qui sortent les parélions après Side et qui laissent que les charrots des IK pour un plan de jeu un peu mid. Et Il a peut-être juste plus de parélion dans son deck. Ouais. S'il si s'attend à ce qu'on rende beaucoup de hate. Ben là par contre il va te réanimer un chariot et il va bourrer direct avec. Hein. On a l'avantage d'avoir une chevalière pour tempo un peu ce qui va se passer. Tempo. On peut euh, incarnation ton prochain aussi. Donc s'il a une discarde, il pourrait se dire je vais lui enlever ça. Parce qu'on peut faire ça, ça, là. Ouais. Après, il y a déjà eu deux discards. Il y a plus de chances là qu'il décide de te faire euh, notre ami ouais. Grisfang. Hein. Et donc s'il hésite, c'est qu'il a peut-être une discarde, à mon avis. Ça va laisser un beau board s'il si fait ça. Hein. Ouais. On va avoir 3-2-2 derrière la euh, posteriori. Dans posteriori et a C'est très drôle. Synonyme de fion. Du coup. Synonyme de cul. Il réanime rien là. agrès Il dit non je le laisse au cimetière. Nous on fait Rest in peace c'est fait. Non. J'ai dû. Il n'est pas aussi coquin là-dessus. Rest in peace Ah pour le coup... Non mais il fait, il fait 3 de 2 2, c'est tellement mieux que de ne rien faire. Non mais je, je pensais à s'il si fait ça, ben, il va le faire. Ouais. Est-ce qu'on bloque pour faire Rest in Peace Non. On, en on... Trop... on bloque pour faire Incarnation et Feu, je pense. Qui va chercher ah, il, il va pas, chercher son ramage. Qui va chercher... Euh... Non, parce que ton problème c'est Charo Desica, c'est pas son cimetière. Enfin, ton problème, c'est son board. Donc, passe en grammage. Toi, un truc comme, euh, je sais pas... Scarab God ou Kiruga, je pense. Je sais pas. Ah non, putain, qui va chercher des Pewtie, je suis con. Ah. Oui, incarnation des c'est bon. C'est bon, on est là. On est là. Hein. J'ai eu peur. Je crois que je pouvais pas le caster. Oh, excellent Adjointe. Adjoint donc là. Adjointe. Putain, c'est bon. Est-ce que j'enlève pas Grace grassro quand même Il te fait peur Ah bah oui, le tour d'après, il refait. Euh... Ouais, il refait hein. Mais pourtant, il devait l'avoir dans la main. Ça, re... Ça renvoie dans la main. Euh... Bah, il ah oui, bah, ouais, bien sûr. Bon, Grace ouais. ouais, effectivement. C'est mieux. C'est mieux. Mieux, mieux, mieux. Et là, s'il fait pas des dingues. On peut rester une piste le tour d'après, mais on est obligé d'avoir cette fenêtre. Hmm. Bah là, il nous met une phase d'attaque, mais, euh, mais honnête. Vraiment. Tu dirais qu'elle est honnête cette phase d'attaque Ouais, oh, c'est honnête. Elle est honnête. Oh putain. Il a top deck ça. Sacrifie ça, tu ça, il va trouver son parrain il nous one-shot. Oh le boss. Il était pas obligé de top deck ça. Quel salaud. Ça fait beaucoup hein. il a pas sacrifié ça c'est ça exil chat exil ah c'est exil pardon oh quel salaud merde ah, euh... un salaud. bah oui Putain, il a top quais des... ou le land pour tout faire ou le professeur en tous les cas c'est un salaud bien joué à ti c'est pas fini cela dit pas hein. bah, fini euh, ça a pas commencé quoi tu peux pas sacrifier incarnation à elle même c'est ça l'idée ou tu peux sacrifier les, les autres incarnations. Je peux sacrifier les autres incarnations. Sacrifier un autre enchantement. Donc là, tu peux incarnation racine sin on est d'accord. Oui. Et derrière, faire venir deux créatures. Oui. Et mais ben... j'ai plus d'éputé, donc... Euh... Non, mais on va essayer de se battre différemment. Je sais pas comment, on va, on va creuser notre deck, quoi. Voyons voir. Oh, regarde donc. Allez, repose en paix. Incarnation et sachant que t'as une capacité de scarab god qui est up si on veut, ah non, mais ça on ne veut. sert à rien. Ok, fait, ah bah non, attends, selon ce que, mais non, Quoi pourquoi t'as pris ton mana On pouvait prendre, on pouvait trouver Zure par exemple, qui animait un de nos enchantements. Ah oh, merde, je croyais que j'avais pas besoin avec de, du lifelink et tout. Ah non, là on a perdu si tu prends Yoru en main. Moi j'étais là en mode on a peut-être une capacité de scarab god, ah, une capacité de dur ou quoi Ah là on est battu, hein. merde. Zur s'animer. Mais attends, on est à 4. On a perdu dans tous les cas. Tu avais ouais. du lifelink. Non, mais il a 1000. Bah, en fait, tu pouvais. Bah, avoir... Attends, on va calculer. Euh, on va prendre. On bloquait 4, 3 et 2. On prenait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On était lifelink à 4. Mais tu euh, peux, tu peux on animer. On passe à 8. Tu peux animer 2 enchantements. C'est 3 zur, non C'est 2. C'est 2. On a 2 manas blancs. Ah ouais, c on avait un bon. mana engagé. Est-ce que c'était bon On gagnait ouais. combien Ouais c'était bon on gagnait 8 on passait à 12 on traitait deux cartes ah, et on avait sûr qui bloquait. Après on gagnait pas hein, genre, mais on était en vie. Ah, je sais pas... Non, on gagnait franch... pas tour d'après je pense mais... Non non mais je crois qu'on était pas si mal. Ouais je crois que par contre là on va avoir du mal. Hein. Bah canalise mmh. pour bouncer une carte. Ouais. il faut voir ce qu'on peut trouver en drop 5 du coup. Il faut bouncer en tout cas non. Hein ouais on tue un truc tant qu'à fait hein. Et plutôt une incarnation, je dirais. Et ouais, non, ça va pas suffire. Hein. Je, je, là, je vois pas. Je crois pas qu'on puisse survivre. je titan. Ah, Alors, bon, on est mort. Partir. Alors, attends. Si on animait deux trucs, les deux avaient lifelink. Ouais. Donc, on gagnait. Et euh, tu bloquais avec ta euh, 8, On passait à 12. Ouais. On était à 1 vrai ouais. Ouais, je pense que derrière, il est chacun mat. On était à 1 pev. est-ce qu'on le tuait derrière non tu le tues pas mais il fait bah pas... non monde, mais il lui. attaquait pas en fait. Il attaquait juste pas. Bah ouais, il était pas bien. Je pense que Zur là ça nous... Euh, ça, nous, nous... Met, ça nous met Solidus. Hein. Mais c'est pas grave, au moins c'est notre première euh, Ah j'ai pas, pas pensé. J'ai pas pensé. C'est notre première avec le deck, on n'a pas eu la ligne, mais on a vu que euh, le deck peut faire des choses bien ouais, de je, je, doit... ouais, je crois pas qu'on doit s'aider différemment. Ah, en vrai, quand je joue son board massacreuse, c'est pas mal non plus, mais... Parce qu'on lui a laissé réanimer euh, deux fois euh, un chariot, mais... Ouais bon, la top des quais de quoi réanimer de, de, de Fall Chariot. Ouais. C'était pas obligatoire. Ah ouais putain, Zure, ça nous mettait d'où là Ça nous mettait plutôt d'Uchi. Euh, et faut faire attention euh, à quel enchantement ça dans quel ordre aussi. Là j'ai dû aller chercher le drop 3 avant le, le drop 4. Ouais. Drop 5 pardon. Ouais. Mais du coup si je vais chercher le drop 5 je peux prendre une mimique par exemple après. Ouais, si jamais j'en ai fait, bon, c'est bien que sur un Mais C'est mais... pour ça que c'est un deck qui, qui demande un petit peu de pratique. Euh, sur. Non, sont tes, euh... ah, bah. putain. Par contre, sur les mains de départ, il est nul à chier le deck. On n'est hein. pas, pas bon. bon là, là, il est... là, il est très bon. Là, il est ça ah, Il est bon, mais à 6 contre de la discarde. Euh... Bon, je suis trop lent pour jouer ça. Ah ouais le... bah, Rhino contre lui, c'est nul quoi. Non, c'est sûr, mais tu vois, Utopia Urbain... Euh... Bah, ça nous fixe. On a toutes les couleurs ou pas On n'a pas de blanc On n'avait pas de blanc. Donc, euh... Ok. Ok, ok, ouais, si on n'a pas de blanc, c'est bien. Allez, tu nous fait pas une turbo sortie avec mon voilà, ça. Voilà, tranquillou. Oh, bah, je peux lander ça, Utopie. Ouais, vas-y. Hein. Je oh, pense qu'on pas manger. C'est mieux, non Oui, bon, c'est ce qu'on -ce se... -ce qu fait de mieux, ouais. Hop. Bah, nickel Franchement, ça ouais, a... c'est vrai qu'on peut piocher du blanc. Ça t'a double fixé, ouais. du coup c'est très très bon Utopie Parce que la couleur que vous, euh, la couleur que vous avez que nommer, besoin de Bam. Excellent. Double saisie. Ok, un okay. filet ah, de brafing. Quoi qui défonce un parailon, quoi. À bout de moment. Oh, puis-je Ah mais puis-je. Puis, 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 Vas-y, puis-je. Puis-je puis <laughs> Ah, ah c'est excellent. Ah putain, c'est excellent. Hop! Ok, maintenant faut plus perdre sur le plan chariot. Non, on est bon là, avec Augur et tout là. Ça va aller. Y'a une kill. Calme-toi, téléphone. Je ne t'ai absolument rien ordonné. Taisez-vous, téléphone. Depuis quand tu outrepasses ta condition d'objet Merde. Ah, depuis qu'il t'écoute et te regarde, je pense que depuis longtemps. Et qu'il réfléchit. Depuis longtemps, il a outrepassé sa condition d'objet, bien sûr. Je suis à la solde de ce. Est-ce que c'est pas nous qui outrepassons notre condition d'humain ah, Mais bien sûr. Par rapport à lui. Sûr, je suis à la solde de cet objet depuis bien trop longtemps. Oh puis merde. Allez hop, je me libère, dans <laughs> cette vidéo, bam, je le casse. <coughs> je tousse. En fait, il a, il il a, a que battu. dalle là, il a que dalle. Il se dit bah ouais, hein, c'est de la merde Grisfang. Hein. Je me prends en repose en paix, j'ai perdu. <laughs> il a plus rien le type, rien hein, du tout. Là on lui a laissé la game 2 histoire d'être bonheur et il n'en fait rien. C'est vrai. Il Pas bravo. Mettre, il va te mettre 3 points quoi. Il l'avait en plus. Bien sûr qu'il l'avait. Mais j'aime bien qu'il te montre qu'il l'avait. Du coup. Je vais quand même le virer. Oui, oui, oui. Bien sûr. Si jamais c'est le genre. Attends. Attends, avec ça paye un peu mieux. Oui, bah. Quasiment. Oui, avec l'utopie, je peux. Tiens. Ça vu cette merde-là Ouais, parce que ça nous a saoulé un peu vite fait. Ah oui, ça m'a saoulé. Moi, ça m'a saoulé. Bah, 3 points. Et là, c'est le spot où chariot ça nous met quand même pas si bien. Cela mmh... ne se peut. Oh bien. Ça dépendait. Ça dépend de notre draw. Ouais. Tu vois si on partait dans l'incarnation et tout, on s'en foutait de chariot. Mais... Complet. Si on a deux landes. Euh... Oh, je vais garder ça, je crois. On veut garder ça Bah en fait là si je bottom et que j'ai que dalle, j'ai des landes en main. Donc, euh... Ouais, tu, tu sais vois, que... Il fait chariot, euh, j'exile, tu vois, on gagne pas mal de temps quoi ok Je pense. Ouais. Donc, ok. okay. Est-ce que je veux. J'ai fait ça. Je peux quand même caster emprisonnement. Non, je crois que tu vas vouloir. Euh... Merde. Euh... Paye du mana pour dépenser dans ta salle de recrutement de Ziatora. Mais tu peux tout faire, je crois, si jamais tu. Je vais au cas où. Bah, non, justement. Parce que tu peux augure plus emprisonnement ou augure plus sale donc t'as pas besoin de te pinguer normalement. Je peux pas augurer plus sale. Ah non, tu peux pas augurer plus sale, pardon. Bon, après, c'est pas très grave. Ah ouais, tu te pinges ouais, non, non, je vais... Oui, voilà, je te, te, te ping pas, je pense. Et je prends Ryon. Ah, je fais tout en fait. Ah, je fais rien. Je fais tout, je fais rien. Ok. Il y a pas compris. Allez, des exil cartes de... pas... des cartes du dessus. Les cartes sont bien exilées, mon pote. Ouais, celui qui a quand même pioché un chariot. Il peut je prendre je un, un chariot Mais eh non Il peut pas prendre un chariot. Ah non, c'est que là, tu as un terrain. Non, non, non. Ça te dégage. Poubellus mon pote. Hein. Allez, mets au cimetière. Enfin, mets euh, dans l'exil. Mou, mou. Trois. Et à un moment, je vais exiler ça aussi. Hein, si... si ça te pète. Si ça me pète. Je fais augure ou plutôt ça Ça, ça creuse ouais. mieux. Augure, ça, ça, ouais, et puis ça projette mieux sur Yorion quoi. Allons-y. Non et non. Là, les landis ils sont là. Il hein. y a pas de ouais. euh, pas de souci quoi. Ah mais ben voilà. Oh, excellent. Attends, tu peux faire un drop set, si tu veux. Le veux-tu ou pas enfin... Et lui rends ça qui connive. Ouais, mais tu peux faire un coma quoi. Oh, c'est bien. Que je te souhaite pas. Évidemment. Mais je ne pas ce type là. Pas ce coma là. Ouais, je crois que c'est juste un bingo. Je vais garder ça, je crois. Ouais. Je te rends ça. Et moi, je vais chercher je ça. Juste prendre ça si ça ne dérange pas. Voilà. Faire comme voilà. échange. Et j'ai dépensé un mana pour juste refaire Connive. Je pense qu'on peut Près. parler d'échange équivalent. Un peu comme dans Full Metal Brotherhood. Oh, il a ciblé. C'est bon. Parce qu'il pouvait le tuer là. Il y a ah oui. clairement, il fait bah je le tue. Je il, fais, bah, oui. il pouvait, mais comme c'est anti ses c'est push. Euh... Ou que c'est trop cher ça pour push. <laughs> Même avec oh. deux. Je pense que de toute façon, il a plus beaucoup danti à Bresaï. Oh meuf. Mais... Vas-y, bon, bah, si vas-y, on s'en servait pas de toute façon. Faites top plaisir. Y a oh, il plaisir. enlève ça de recrutement. Et tu vois, quand le deck il est comme ça, c'est tellement facile de gagner derrière. Non, mais c'est vrai. Genre, le grind est pas complexe, c'est ça que je veux dire. Alors, des fois, t'as des decks ah, le grind vrai. est chiant, tu vois. Un miroir de Grixis, ça casse les couilles en standard. Bon, je vais prendre Yorion et le jouer. Ah, je peux pas. Ce que tu veux. Bon, ouais, je je, je, je n'ai plus aucun. Non, euh... j'y vais, j'y vais, tranquillou. Je n'ai plus rien à te dire là, je pense. Parce que tu n'as plus besoin de moi. Tu sais quoi, je m'en vais. Je vais boire un coup, ça te va ouais, Fais ce que tu veux. Fais ce que t'as as à faire, mal. Enlève, repose en paix, on lui laisse une chance. Non, Et il fait par réunion 11. Bon, bon bah, là, bien joué. Ouais. On va augure si on va lui donner un 3-3. Ouais. Je jure ça te sécurise le tour d'après. Ouais, ça, je peux aller chercher un. Un fire. Bon on s'en fout Fire, bah fire ça me fait un drop un drop 5. Non je vais chercher un emprisonnement. C'est petit... pas mieux Zür, qui protège dans tous les cas combo Je sais pas hein, genre Ou ça ça me fait drôle. Moi je prendrais Zure ou Claire pour emprisonnement, ouais. L'un ou l'autre. clair ou Claire. Claire pour emprisonnement j'aime okay. bien. Ok, vas vas-y. Je lui montre en plus. mais tiens, c'est ça que j'ai les potos. Si au cas où tu puisses revenir dans cette game, euh, ça ne va pas se passer. Tu commences à hyperventiler. Si t'avais une coupe petite lueur d'espoir, euh, je viens de te plonger dans le noir, Ati. Voilà. Si Bim Allez, let's go Mec, c'est carré ça. Mec, c'est carré. Je pense qu'il faut s'arrêter là. Franchement, on, on a battu était, euh... le deck que les gens détestent, ouais, ouais. Enfin, les... où les gens sont saoulés. Qui n'est pas le meilleur match-up de notre deck, je le rappelle. Hein. Notre en deck, il est bien meilleur contre R2 justement par exemple. Genre, euh, ce, ce genre de deck Grisfang, ça marche bien parce qu'il y a des decks comme. Euh, ça marche bien parce qu'il y a des, des decks Fong -Fong comme le nôtre qui, qui sur 80 cartes, ne sont pas obligés d'avoir leur une euh, place Mais c'était moi en début de vidéo. Non, oui, c'est chacun son tour. Genre, vraiment, quand il fait euh, tour 2, euh, Discard dans tour 3, Grisfang Fang bah nous, on fait bah oui. Eh oui, Bien joué. je ne peux pas te battre. En si vrai, on n'a pas ça, ça euh, en commençant, c'est chaud. On a eu un peu de chance, on ne va pas se mentir. Non. Mais profitons-en. Non, non, non. Profitons-en. Enfin, on dit ça, mais il y a aussi un monde où on fait juste triomphe dans, dans un Ravland et on fait et on Emprisonnement. Fait lois, ouais. Mais genre, euh, il faut quand même pas mal de cartes pour empêcher son plan de jeu. Il faut vraiment des Landes spécifiques avec ça et tout. Le deck est pas fait pour ça, mais il est tellement bon qu'il est capable de le faire. Ça marche. Et ça, c'est beau. Ça marche, c'est ça qui est bon. Eh ben écoutez, fin de cette vidéo. Pouce bleu anticipation de confiance, maintenant vous n'anticipez plus, là vous avez juste confiance. Réseaux sociaux dans la description, euh, Twitter, Facebook, Discord, ainsi que notre chaîne Twitch, Valpel Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était la, la belle magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.